Ah si, c'est une kermesse là-bas. Oui, c'est le parc d'attractions, monsieur White. Oh, et on va y faire un tour. Allez, ouais. Officiel, allons-y. Monsieur Black, monsieur White, c'est pas joli. Oh, sensationnel, c'est du tonnerre, dis donc. Vise un peu un manège d'éléphants de bois. Oh, et grandeur nature. Et là, dans la baraque à côté, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Ben, c'est peut-être le gars-là des petits lits blancs. Oh non, ça va, Black, hein, t'en prie. Oh, Asti, qu'est-ce que c'est? C'est un fakir, monsieur White. C'est un charmeur des bretelles. Un charmeur de bretelles. Oh, formidable. Vise un peu, la paire de bretelles est assise sur ses pattes de derrière. Oh, elle fait la belle maintenant. Oh, épatant, dis donc. Tiens, regarde, le fakir lui donne un bouton pression qui se met derrière la boutonnière. Et c'est pour la récompenser. Oh, regardez par là, le dompteur. Ah oui? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est un dresseur de cheveux. Quoi? Un dresseur de cheveux? Oui, tenez. Oui, il prend son peigne de dressage à la main. Il regarde fixement l'écran de son partenaire et... Les cheveux du type qui se dressent d'un seul coup. Inouï, les cheveux se renversent en arrière. Ça y est, ils s'aplatissent. Ils font le gros dos. Et ils saluent par paquet de 6. Oh, ça, alors, c'est champion. Faut venir ici pour voir ça. Champion. Moi, que j'ai un cousin à Napoli, il dresse les spaghettis avec un pelle à tarte. Alors, ça, c'est... Ouais. Et cet autre-là, c'est... C'est un saltimbanque. Il attrape les fourmis avec un lasso. Ah, ouais, ça, c'est facile. Ouais. Pourquoi moi, à Napoli, j'ai un oncle qui a attrapé la jaunisse avec de la fièvre. Alors, ça... Poussez pas, là, quoi. Vous pouvez pas faire attention, parce que c'est mal appris. Mais il est fou, celui-là, qui a ça vous bouscule sans même s'excuser. Oh, Black! Black, bon sang! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon portefeuille! Quoi? Disparu! Non! Le gars qui vient de nous bousculer, ça y est, c'est lui, c'est un pickpocket! Courons après, j'ai la main qui se sauve! Allez, arrêtez-le! Il tourne à gauche! Non, il tourne à droite! Alors, il tourne devant lui! Vite, on le rejoint! Plus vite! Ça y est! Là, on tient! Crapaud! Saligo! Saligo! C'est un des composés d'un propre planète. Quoi, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un des pépites à gestion, hein? Mais wait! Black! Cette voix, ça te rappelle rien? Bon sang, Gigi Boy! Gigi Boy! Ah! Dans la roulotte de Gigi Boy, les quatre complices fêtent leur retrouvaille. Ça alors, hein? Sacré vieux Gigi Boy. Il a pas changé, on est toujours le même. Mais dis donc, Gigi Boy, tu parles français couramment à présent. Ah si, c'était pas les tout pas, petit, tout comprenez, tout parler. Mais allez, on l'embrasse encore un coup. Assez. Alors, c'est un heureux présage, Christo. Nous autres à Napoli, un présage, ça s'arrose. Ah, ça oui. On s'est pas donc qu'il avait oublié ta bouche dans la tête. Oui, va se faire mal. Voilà, c'est bon ça. Ah. La bouteille de vin là, pardon, c'est pas de la bibine. Fais voir un peu l'étiquette. Hein? Bourgogne pakistanais. Ouais. Appellation contrôlée, contrefaction sévèrement punie. Alors à la tienne, Gigi Boy. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, Gigi Boy, dis donc, tu chantes, hein? Tu te souviens, Black, il chantait pas mal. Si, je m'en souviens, parles. Dis donc, t'as toujours ta jolie voix? Oh, ça, t'es... Jolie voix, c'est la puissance, pas qu'à la vie brune de cet âme, n'est-ce pas? Oui. Pour célébrer nos retrouvailles, allez, une chanson. Une chanson. C'est juste un amateur. Allons, ne fais pas le modeste. Allez, vas-y de ta chanson. Et après, io je chanterai Arrivederci Roma, et sono le mio. Oui, bon. Monsieur Blanc, monsieur White, on fait l'accompagnement. Tapez la bouteille, moi j'ai tapé là. Il avait pas fait esprit, il n'avait pas vu d'éléphant. Ils sautaient sur la route, ils avaient marché dessus. Alors ils avaient demandé de l'argent. Il n'avait pas fait esprit, il n'avait pas vu l'éléphant. Bravo, Gigi. Ça
m'excuser, c'est un peu la rocrole, mais... Non, non, c'est, ah, c'est pas mal, hein. C'est oui, très, très bien, très bien, bravo. Ça nous râle, ça nous rappelle le bon temps. Et au fait, Gigi Boy, la Maranée, Pauline 4, qu'est-ce qu'elle est devenue? Toujours mariée avec notre vieille amie Otimène. Oh, sa Maranée, oh la Maranée, oh pauvre Maranée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, elle a eu beaucoup malheur. Et ça a fait une révolution dans son pays, ça m'accoudra. Et puis, et bon, mais alors ils ont tout pris la Maranée, et après, bon, mais ils ont mis à la porte, pauvre Maranée. Oh, c'est pas possible. Oh, la Pauline, je l'aimais bien, moi. Et, mais alors, Gigi Boy, ça m'accoudra le pays. Oui, qui le gouverne à présent? Ah, c'est tout changé, la gouvernement plus, parce qu'il n'a pris un pays, deux pays, trois pays, t'as tout roulé, ensemble, il fait un pays que c'est plus qu'à ça m'accoutera. C'est un grand pays qui est tout nouveau. Un grand pays nouveau? C'est, oui, c'est un pays nouveau, ça s'appelle Filikistan. Quoi? Le Filikistan? Le Filikistan? C'est un pays, c'est tous alors la folie de grandeur, le Filikistan. Il a beaucoup d'ambition et tout manger les autres. Ouais, pas très gentil, non. Oui, mais Gigi Boy, le Filikistan. Mais c'est justement là que nous voulons aller. Christo, le Filikistan, le pays des babus. Oh, allez, allez, dites ça, t'es pas commode. Allez, allez, Filikistan, non, t'as pas possible à qui le Filikistan, pourquoi t'as tout fermé là? La frontière partout, impossible d'entrer, Filikistan. Filikistan a un pays très mystérieux. Oh, ça, tu l'as dit, Gigi Boy, un pays mystérieux. Oh, ça, peut-être encore plus que nous ne le pensions. Ouais, et Dieu sait ce qui s'y passe en ce moment. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.